Que le Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père et le salut du monde, soit toujours avec vous. Nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Thank you.
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qui avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui.
mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Mais comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites. Quand j'étais encore avec vous, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Comme pour les disciples au Cénacle, en ce troisième dimanche de Pâques, Jésus ressuscité se tient au milieu de nous pour nous ouvrir l'intelligence à la compréhension des Écritures. Nous sommes au soir du jour de Pâques. Les deux disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons leur expérience avec le ressuscité à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même, Jésus ressuscité,
fut présent au milieu d'eux. Celui qu'ils croyaient mort, maintenant il est là, au milieu d'eux. Ainsi donc, la présence réelle du Christ est le fondement de notre foi dans l'Eucharistie et dans tous les sacrements. Chaque apparition, Jésus ressuscité salue les siens par « La paix soit avec vous ». En effet, sa paix n'est pas la tranquillité égoïste ou hypocrite. Elle n'est non plus une paix imposée, bâillonnée par les âmes ou par l'intimidation pernicieuse. Jésus nous donne sa véritable paix qui n'est autre que lui-même, son Esprit Saint. L'évangéliste relate la frayeur des disciples. Ils croyaient voir un esprit, ils sont bouleversés. Or, Jésus ressuscité n'est ni un esprit ni un fantôme. Voilà pourquoi le ressuscité leur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » À noter que dans la culture grecque, on admet l'immortalité de l'âme, mais on refuse à croire à la résurrection du corps. D'où la nécessité pour Luc d'insister sur la réalité du corps de Jésus ressuscité. Pour cela, il prit une part de poisson grillé et mangea devant eux pour prouver son identité. Ce qui est affirmé ici, c'est l'expérience qu'ont fait les disciples de sa présence. Jésus est vainqueur de la mort, il est vivant. Puis vient le moment de la catéchèse par le ressuscité. Dans sa communication, Jésus aborde quatre thèmes. L'accomplissement des Écritures. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. La prophétie sur sa mort et sa résurrection. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. » La participation à son mystère pascal et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Enfin, le témoignage des apôtres pour proclamer sa résurrection. À vous d'en être les témoins. D'où l'Église est missionnaire par son origine pascale. Et on ne peut être missionnaire que si l'on n'est pas d'abord témoin du Christ mort et ressuscité. D'une part, le discours de Pierre au peuple à l'occasion de la guérison de l'infirme suscite l'annonce de la résurrection de Jésus et s'achève en appel de conversion. Dans ce discours, quatre plus anciens titres sont attribués au ressuscité. Le premier, son serviteur Jésus.
livré, humilié, mais glorifié par Dieu. Le second, le saint et le juste. Le saint parce que Dieu l'a consacré. Et Jésus le juste par son obéissance au Père. Le troisième, le prince de la vie, comme étant le premier-né d'entre les morts, le ressuscité est devenu la souche première de l'univers glorifié. Le dernier titre, le nom. Convertissez-vous, dit Pierre, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre n'a pas condamné personne. Il a préféré parler d'une erreur judiciaire dans l'affaire Jésus, comme cela arrive encore. L'erreur, d'après Pierre, c'est d'avoir livré à tort un innocent à la justice, obtenu sa peine de mort et d'avoir fait gracier un meurtrier, Barabbas. D'ailleurs, frères, leur dit-il, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Enfin, l'apôtre Pierre lance cet appel décisif. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. D'autre part, pour nous ouvrir l'intelligence à la compréhension des Écritures, l'Église nous fait découvrir la pensée de saint Jean dans la deuxième lecture. Mes petits enfants, dit-il, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le Juste. Reprenant ainsi le titre de saint Pierre, le Juste. À souligner que l'apôtre Jean emploie ici le titre défenseur, non attribué aussi à l'Esprit Saint, pour désigner cette alliance désormais tissé entre Dieu et l'humanité. En effet, la mort du Christ est la clé qui ferme la porte du péché et sa résurrection ouvre celle de la vie en plénitude. Frères et sœurs dans le Christ ressuscité, avec l'Église en ces jours de Pâques, demandons sans cesse au Seigneur de nous ouvrir l'esprit et le cœur à l'intelligence de son mystère et à la joie de croire. Frères et sœurs, croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité et présent au milieu de nous, oui ou non? D'après votre réponse, vous saurez si vous avez la foi. Thank you.
Jésus-Christ est présent dans l'assemblée que nous formons. Il est présent dans sa parole, présent dans le ministre, le prêtre qui préside, et présent dans l'Eucharistie. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur entend quand nous crions vers lui, comme le dit le psaume. Convaincu qu'il écoute toutes nos prières, osons-lui présenter nos demandes pour les besoins du monde et de l'Église. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens en position d'autorité dans nos sociétés, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans le souci du bien-être de la collectivité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les femmes et les hommes engagés en Église, afin que la joie de partager la bonne nouvelle les habite continuellement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui ont perdu la foi, afin qu'elles rencontrent de vivants témoins du ressuscité qui leur redonne le goût de croire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux et celles qui souffrent de la perte d'un emploi ou de leur santé, afin qu'au cœur de leur épreuve, ils découvrent l'amour du ressuscité qui veut se faire proche de chacun et chacune, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin que par leur accueil et leur engagement, elles témoignent de l'amour de Dieu pour chaque personne, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Père très saint, tu n'es jamais insensible à nos misères et à nos prières. Écoute les supplications que nous te présentons avec confiance. Aidez les exaucer par le Christ, notre Seigneur.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pape, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de France Charles. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Carole de Metz pour sa guérison. Sur Marjorie Montinard à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Thank you.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 942 dollars. Un grand merci à tous. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à Louis de Carifel pour l'enregistrement.
Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être uni dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.